Hey, salut les dessineux! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment encrer avec SciPen Tool, un logiciel japonais que j'aime beaucoup. Alors, déjà, vous pouvez renommer votre calque en double-cliquant dessus. Vous pouvez renommer ça crayonné par exemple. Alors je vous conseille de passer par un calque vectoriel pour ancrer votre dessin. Vous pouvez aussi renommer votre calque. Et là vous pouvez vous rendre compte qu'il existe d'autres outils par rapport aux calques normaux. Donc c'est que des outils vectoriels. Alors, je préfère baisser l'opacité du calque du crayonné d'abord, et ensuite repasser sur mon calque vectoriel, comme ça je verrai un petit peu plus ce qui se passe. Je choisis mon calibre, mon diamètre. Donc je vais aller rapidement sur l'ancrage, c'est juste pour vous montrer quels sont les capacités de SciPen Tool. Donc vous avez vu que je travaille assez vite. Donc là je fais des CTRL Z, j'ai configuré ça sur le stylet directement, les CTRL Z, c'est assez pratique. Donc là vous voyez comment la ligne est relativement flexible. Donc plus vous ajoutez de points et plus vous pourrez régler les arrondis comme vous voulez. Et si vous avez envie de déplacer un des points, il vous suffit de faire CTRL et de cliquer sur votre point et de le déplacer, tout simplement. Donc là, je vais relativement vite. Alors, je fais d'abord le contour général, comme je fais d'habitude avec le Pocket Brush. Alors ce qui est bien avec SciPen Tool, c'est qu'à tout moment, on pourra régler non seulement le diamètre du trait. Donc là, vous pouvez travailler avec n'importe quel diamètre. Après, vous pourrez régler comme vous voulez. Il existe plusieurs outils pour ça. Il existe un outil qui fait ça point par point et un autre outil qui fait ça ligne par ligne. Ce qui est vraiment très pratique. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Alors, SciPen Tool n'existe que sur Windows. Moi, je fais tourner ça sur Windows 7. J'ai installé une partition, comme je travaille sur Mac, j'ai dû installer une partition Windows en utilisant l'assistant Bootcamp. Et j'utilise Windows que pour ce logiciel, en fait. Voilà. Pour vous dire à quel point j'adore ce logiciel. Donc il est très très réactif, on a vraiment l'impression d'être sur du papier, bon, peut-être pas quand même, mais presque, c'est très très réactif. Donc alors le problème avec Sai, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas j'ai pas trouvé le moyen, de fusionner deux points, comme sur Illustrator par exemple. Donc quand vous voulez fusionner deux points, en fait, vous avez juste à les mettre les uns sur les autres. Malheureusement, quand vous allez utiliser certains outils, vous ne pourrez pas avoir le contrôle sur les deux points superposés, vous devrez faire ça sur chaque point. Mais bon, c'est un détail. Alors arrive le moment où vous aurez besoin de faire peut-être des angles, donc on va dire des coins ou
des choses un petit peu plus anguleuses. Alors, un moyen très simple pour le faire avec cet outil-là, donc on peut passer par un autre outil, l'outil qui est juste à sa droite, c'est l'outil justement qui fait ça, mais pour éviter de changer toujours toutes les deux secondes d'outil, ce que je fais, c'est que je clique deux fois, donc je crée deux points les uns à côté des autres. Par contre, évitez de mettre deux points, donc les uns sur les autres, parce que là, ça va arrêter la ligne. Si vous double-cliquez, vous allez arrêter la ligne. Donc pour l'instant, je m'occupe pas trop du calibre vraiment de mes lignes, parce que je peux régler ça finement avec les autres outils. Mais j'essaie quand même de m'approcher du résultat final. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez avoir donc le fichier de la colorisation et le fichier de l'ancrage, si vous voulez vous entraîner à coloriser ou à ancrer d'ailleurs, vous pouvez aller sur apprendre-à-dessiner.org et chercher l'article sur la colorisation qui a été fait il y a à peu près 2 jours maintenant, je crois. Donc là on est le 30 mars, je crois qu'il a été publié le 28 mars 2013. D'ailleurs, si vous avez envie de m'envoyer vos colorisations, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. Je pourrais même vous donner des conseils si j'ai le temps. Et puis, ça me fait toujours plaisir de voir mon petit personnage avec d'autres couleurs. Donc là, vous avez vu que je travaille assez vite, mais de toute manière, si vous faites une erreur, c'est pas très grave. Vous faites un contrôle... pas un CTRL-Z, mais pas pour revenir en arrière, je veux dire, mais pour déplacer vos points, vous pourrez faire ça ensuite, CTRL-CLIC sur le point, et vous déplacez vos points. On peut ajuster vraiment finement, même quand on a fait beaucoup d'erreurs, c'est pas très très grave. On peut toujours revenir en arrière. Donc là, j'ai fait deux calques différents, un calque pour le contour global, et un calque pour toutes les autres lignes. Et vous pouvez décomposer en autant de calques que vous voulez, bien sûr. Aucun problème. Pensez à bien fermer vos lignes, comme ça on gagnera du temps pour la colorisation et notamment pour les aplats du départ, pour avoir une bonne sélection de la colorisation. Donc fermez vos lignes, n'hésitez pas à zoomer si vous êtes un peu myope. Donc là j'utilise un outil un peu plus anguleux, c'est le deuxième outil là que vous avez vu en bas. Mais je l'utilise rarement, je préfère faire deux points rapprochés, ça va plus vite et ça m'évite de changer toutes les 2 secondes d'outil. Alors là, c'est l'outil qui permet de régler le calibre de la ligne sélectionnée. Donc là, vous avez vu que j'ai fait exprès de garder un calque à part pour les traits de contour, ce qui me permet de régler la ligne d'un seul clic. Donc vous sélectionnez le calibre, vous sélectionnez l'outil bien sûr d'abord, le calibre, et ensuite vous cliquez sur la ligne que vous voulez. Voilà, donc j'affine un peu les détails. Enfin, quand je dis j'affine, c'est que j'affine le trait. Et là, je vais passer bientôt sur l'outil qui permet de régler l'épaisseur du trait par point. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus génial sur l'outil vectoriel de Sai. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà, je suis en train de l'utiliser. De temps en temps, je fais même des CTRL-CLICS pour déplacer les points quand je vois que c'est pas très rond ou que les formes sont pas très jolies. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, mais vous avez vu, vous avez compris l'idée.
Donc je continue un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous avez lu déjà l'article sur l'ancrage du blog apprendre-à-dessiner.org. Je vous invite à le faire parce que j'explique la plupart des petits secrets des illustrateurs professionnels pour mettre en valeur le crayonné. Donc une fois que vous avez ancré votre dessin, après il n'y a plus grand chose à faire. Vous pouvez créer un nouveau calque, un calque normal cette fois-ci, et avec l'outil que je vais vous montrer là, donc c'est l'outil peinture. Vous allez cliquer à l'intérieur des surfaces et vous allez pouvoir très rapidement donner un aplat à votre base de colorisation. Donc vous avez vu qu'on peut régler aussi la section Color Difference. Alors Color Difference, c'est en fait la sensibilité de détection des traits noirs. Alors moi j'ai laissé à 1. Mais vous pouvez mettre plus et essayer par vous-même. Alors je vous conseille aussi de coloriser la ligne, parce que des fois il y a des petits pixels qui viennent s'incorporer entre les traits et l'ancrage, enfin entre les traits de l'ancrage et la colorisation. Et ensuite vous pouvez mettre ce calque sous les calques de l'ancrage, voilà, sous vos traits. Donc ensuite vous pouvez créer un nouveau calque et cocher Clipping Group, ce qui vous permettra de pouvoir ajouter des ombres ou de changer les couleurs des aplats, tout simplement. Voilà, ça vous permet de restreindre la limite de ce que vous faites sur les contours de l'aplat. Voilà. Donc ça existe aussi sur Photoshop. Sur Photoshop, vous cliquez entre deux calques et vous faites Alt-Click entre deux calques, et vous allez voir que le calque du dessus va se transformer en Clipping Group, donc c'est-à-dire en sélection par transparence, voilà. Ce qui vous évitera à chaque fois de resélectionner avec la baguette magique. Voilà donc comment ancrer avec SciPenTool. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer comment je colorise avec Sci, et puis j'essaierai d'aller un peu vite parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même un petit peu de temps. Mais j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye.